Yo les potes, c'est Snixy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Grisou. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour la suite de nos aventures avec Grisou. Ça va faire du bien de retrouver un petit peu notre farmer fou, le petit Grisou. Au programme aujourd'hui, déjà il y a plusieurs choses. Vous le savez, bon bah déjà forcément une session Grisou. Ensuite, on va vous parler du Discord. Je vais vous parler du Discord puisque je suis en train de le refaire entièrement avec quasiment des giveaways toutes les semaines. Du coup, c'est là principalement que se feront les concours. Il y en aura toujours sur YouTube, mais je vais en faire beaucoup plus, des plus réguliers sur Discord pour bah, vous remercier de votre fidélité, voilà, de papoter avec vous, etc. D'utiliser même le Discord, hein. Bah, faut savoir que ça me sert aussi moi à partager quand je fais mes vidéos ou quand je referai les lives, etc. Parce que la fibre est installée, voilà, je vous l'annonce si jamais vous ne le savez toujours pas. La fibre est installée, j'attends juste l'activation, ça peut prendre plusieurs semaines, c'est le problème, mais dans tous les cas elle est installée, donc ça c'est déjà super cool. Donc voilà, le Discord, donc je vous le montre à l'écran, hein. Il y a un giveaway à l'heure actuelle où je vous parle pour gagner 3000 de Kamas sur Elisel. Faut savoir que c'est à peu près l'équivalent de 10 millions sur un serveur classique, donc vous avez de quoi vous faire plaisir. Je pense qu'avec 3 millions tu peux t'abonner entre 3 et 6 mois facilement, si jamais t'es pas sur le serveur, et si jamais t'es déjà sur le serveur t'as moyen de te payer, je sais pas, une panoplie full d'Anator, ce que tu veux. C'est à peu près le prix, c'est à peu près 3 millions, c'est à peu près 1 million par item je crois, enfin tu peux te payer pas mal de trucs avec 3 millions dans tous les cas. Donc faites vous plaisir, ce sera à gagner, il y a juste à cliquer sur le petit emoji, voilà, et puis ça vous permet de rentrer directement dans le giveaway. Donc voilà, on est avec Grisou. Bon, quelques fails comme d'habitude, vous le savez, c'est le problème de Snixy les gars, c'est qu'en général j'ai tendance à grid et des fois je me fais calmer par les petits mobs parce que forcément en full idol ça tabasse un peu, et puis surtout je ne reprends jamais mes HP, donc forcément c'est plutôt problématique. Au programme aussi, j'ai repris le classement du Grisou d'or, donc je voulais réactualiser plus ou moins, à savoir que le top 5 pour moi c'est plus ou moins la même valeur, c'est à dire que le top 5 est équivalent au top 1, en gros les 5 premiers que vous voyez c'est le top 1, voilà, c'est vraiment pour que ce soit clair. En gros, vous alternez entre ces différentes zones et vous avez moyen de faire quelque chose vraiment de très agréable et de très 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 rentable. Donc aujourd'hui on s'attaque à Automaille. Alors j'avais pas mal de possibilités, c'est vrai que je vous ai pas encore fait l'île de Moon avec les tortues, il y a pas mal de petits trucs que je voulais vous faire, il y a les Doppel etc, mais sur Illizael j'essaye de vous proposer quelque chose qui est vraiment rentable. Oui, il y a plein de zones qui sont connues, vues et revues, mais j'essaye de vous proposer vraiment les trucs un petit peu de tendance entre guillemets qui sont rentables dans le moment. Actuellement c'est vrai qu'avec bah, les deux rôles Black, ça c'est une valeur sûre, hein. La coiffe d'Anator ça reste une valeur sûre, c'est une coiffe low cost haut qui est parmi bah, les meilleures, enfin la meilleure pour son prix et son bonus, elle est vraiment très intéressante, elle est beaucoup jouée dans les stuff low cost. Donc c'est vrai que bah du coup forcément notre priorité, nous, ça va être les Curaçao. Vous pouvez vraiment farmer de tout, puisque de toute façon, vous allez dropper du sel, du nacre, etc. Ça vaut, quoi qu'il arrive, son prix. Mais principalement, c'est vrai que moi, je me suis pas focus à 200% sur les Curaçao ou plus dans la deuxième demi-heure. Mais n'hésitez pas à abuser du truc. Sachant que là, je vous le répète, mais je suis en solo. Je vous le dis à chaque fois, mais je suis en solo. Et vous allez voir que le bénéfice, il est monstrueux. En plus, on va avoir la chance de tomber sur un petit archimonstre. L'archimonstre revendu 300 000 kamas. Mine de rien, c'est pas rien. 300 000 kamas, c'est déjà quasiment le bénéfice d'une session. Donc voilà. Après, bien évidemment, ça va pas vous arriver tous les jours de tomber sur un archimonstre. Mais si vous êtes un minimum curieux, que vous traversez un petit peu la zone et puis que bah voilà, vous êtes un petit peu chanceux, vous avez toujours moyen de tomber sur un petit archimonstre et de bénéf entre en moyenne maintenant sur Elisael, un archimonstre c'est entre 200 000 et 1 M selon la rareté du truc. Après vous avez des archis qui montent encore un peu plus haut, mais dans cette zone là sur Automaille de souvenir, la plage d'Automaille ça dépasse pas les 1 million. Après tout ce qui va être roi 5 etc, ça va être un peu plus cher potentiellement, mais en général quoi qu'avec la faille qu'il y avait eu sur le... Ah mais non, je suis con, je confonds avec le roi 5 classique. Non, donc oui, sur Roy le Merlin, t'as moyen que le prix soit assez haut. À vérifier de toute façon, hein, pour ceux qui sont experts des archives, et vérifier, parce que c'est vrai que depuis quelques mois, l'ocre avait pas mal monté. Donc n'hésitez pas à checker, je pense que vous avez moyen de trouver votre petit bonheur. Donc zone très appréciée, pourquoi j'ai choisi cette zone et pas une autre? Et bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Curaçao ça reste quand même une valeur sûre. En plus on profite actuellement d'un bonus de 30% dans la zone, donc vérifiez bien vos bonus, c'est très important et ça vous permet de faire des kamas monstrueux en plus. Donc 30% sur une ressource qui est quand même assez dure à drop entre guillemets. De souvenir, je crois que j'avais 20% en full idol, etc. Alors que j'ai quand même un stuff à 500 ou 600 pp, je sais plus. Plus idol, etc. Alors bien évidemment, la pp se tasse plus vous avez des idoles. Hein. C'est pas non plus un truc extrêmement abusé, mais ça reste toujours ça de prix.
Sachant que moi j'ai un stuff mi-prospection, donc c'est plutôt 500 pp, oui c'est 500 pp, parce que moi j'ai fait le choix de faire un stuff entre mi-prospection et mi-rocks. En gros je gère le 6PO, le 9PA et avoir des PM, 6PM, tout en ayant beaucoup de prospection et en ayant 1000 de chance, un truc comme ça. Donc ça reste très très bien, c'est actuellement je trouve le meilleur compromis que j'ai pu trouver et même faire moi-même. En général c'est vrai que les autres youtubeurs vont proposer le stuff classique, 8-4, sous-bois, casse-carnage, etc. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte avec l'expérience que ce stuff-là, il est viable vraiment que pour quand tu montes un métier pêcheur. Mais quand tu fais des sessions de farm, c'est beaucoup mieux quand tu n'as pas de team pour te booster ou quoi que ce soit, d'avoir un minimum de mobilité, un PA en plus, bah là pour mon combo forcément. Si vous avez des combos, il faut 10 PA, mettez-vous en 10 PA. Mais sinon, c'est vrai que je trouve ça vraiment plus intéressant d'avoir justement ce 9 PA pour avoir le bon et le double combo. Donc là justement, le petit archi-monstre qui fait plaisir, donc le pragmatique hein, qui fait plaisir. Franchement, non, c'est cool, hein, 300 000 de bénéf, le combat nous aura duré une minute. Alors parfois, on va faire des combats de 10 secondes, on va one-shot absolument tous les monstres du combat et on va bénéf des 15 000 kama, etc. Donc ça peut paraître ridicule pour certains, what, 15 000 kama, on s'en fout, j'ai 3, 4, 5 millions. Mais je vous assure que sur la durée, sur une heure, bah, quand t'arrives à enchaîner avec un peu de chance des combats, pendant que Vanille tombe du fauteuil, hein, puisqu'elle poupouille comme d'habitude, si vous arrivez à enchaîner des combats de 15 secondes, 20 secondes grand max avec des bénéfs de 7000, 15000, 21000 selon le nombre de coraux que vous allez drop, bah c'est forcément très 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 rentable. Sur la session d'une heure, vous pouvez faire des sessions à facilement 500 000 kama avec un peu de chance. Là moi pour le coup j'ai fait une session à quasiment 700 000 kama, ce qui est énorme pour une heure de farm en solo, parce qu'il faut bien préciser que je suis solo, c'est à dire que là si t'arrives à trouver un pote et go en duo, ça demande pas grand chose hein. Un stuff low cost même niveau 120 suffit largement, un stuff low cost niveau 80 pour cette zone suffit largement, t'es pas obligé d'avoir des gros stuff 200, forcément tu vas mettre un peu plus de temps à dropper, un peu plus de temps à faire tes combats, mais si ton objectif de toute façon c'est de faire des kama, il faut jouer à Dofus, il n'y a pas de secret, pour vite monter en kama ou même en level ou quoi que ce soit, il faut jouer, c'est pas en restant AFK que ça va monter. Donc il n'y a pas de secret, tous ceux qui ont fait beaucoup de kama, c'est des mecs qui ont joué beaucoup. Donc là si tu te permets de faire une, par exemple une session toute l'après-midi, t'as largement moyen de t'en sortir avec plusieurs millions à la fin de la journée, c'est des ressources qui se vendent très très bien. Au pire des cas, tu peux crafter les items et les revendre. Si en plus tu as le métier de FM, c'est encore plus intéressant, puisqu'en général, c'est plus ou moins les ressources parmi lesquelles le prix va être déterminant. Donc en gros, ça fait partie des grosses ressources dans le craft, entre guillemets. Même si voilà, ça reste une petite ressource, bah comme il en faut 6, 8, etc. Bah forcément, le prix monte, tu peux vite arriver dans les 65 000, 80 000. Donc sur un craft à 200 000, bah tu bénéfices déjà un tiers, voire parfois la moitié d'un craft, etc. Alors là, je vous prends l'exemple du corail, mais c'est valable pour absolument toutes les ressources que vous allez farmer. Si vraiment vous farmez en grande quantité, n'hésitez pas à transformer. En général, le prix de transformation plus potentiellement de FM, vous pouvez facilement multiplier par 2 ou par 3 des fois vos bénéfices. De toute façon, on refera des vidéos achat-revente, etc. Puisque ça, c'est quelque chose qui vous avait beaucoup plu. Même analyse d'HDV, c'est vrai que je devais vous le faire, hein, coacher un abonné, donc ça je peux vous le faire hein, maintenant que ça va un petit peu mieux. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais j'ai pu voir ma mère le week-end dernier, donc ça m'a fait beaucoup de bien, forcément vous en doutez. Mais bon bah c'est toujours pas tout rose, hein, je ne souhaite à personne ce qui m'arrive en ce moment. Mais voilà, j'essaie de pas me laisser abattre, de rester présent pour vous, mine de rien, même si c'est dur. Et puis surtout, ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'ai eu énormément de messages de soutien, que ce soit sur Twitter et surtout Discord, quasiment tous les jours, j'ai des messages de soutien. Donc vous êtes des amours et c'est pour ça que je me dois de vous remercier en vous faisant des petits giveaways, etc. Ça me coûte rien. C'est rien 3M, je me motive en une heure d'achat-revente, je peux faire 3-5 millions. C'est vraiment rien. Quand on est déterminé derrière, on peut vous redonner ça. Donc ça me fait super plaisir. On arrive à la fin de notre session d'une heure. Vous avez vu, c'est passé tout seul. Du Curaçao, en veux-tu, en voilà. Donc au niveau des compos d'idoles, vous avez vu, c'est vraiment une classique. Moi, je rajoute juste le Neki Neko, je crois que ça s'appelle comme ça, qui rajoute un PM quand tu tapes les adversaires à chaque coup. Donc là, pour le coup, j'ai pas compté l'archi-monstre, mais en gros, fallait le compter, puisque je vous compte à la fin de la vidéo. Moi, j'ai déjà vendu. Donc là, vous pouvez voir que, bah voilà, on monte autour des 380 000 plus 300 000
d'Archimonstre. Donc voilà, un très très beau bénéf, vraiment. Donc je vais vous faire gagner en tout 1,2 million, si je dis pas de bêtises, pour que ça fasse 1,5 million à vous faire gagner. Donc voilà, je rajoute 1,2 million en cash, mais tout, d'ici là, toutes les ressources seront vendues. Donc vous aurez 1,5 million à gagner sur cette vidéo, comme d'habitude. Vous likez, vous mettez votre petit commentaire, vous proposez une zone, et puis être abonné, forcément. Et puis comme d'habitude, checkez le Discord, il est dans la description. Pensez à mute les salons qui vous intéressent pas, comme ça vous êtes pas gênés. Et puis moi, je vous fais à tous des gros bisous. Portez-vous bien, ciao tout le monde, c'était Sneakzy. Ciao, ciao. We'll be right back.